Seigneur, j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Qu'il connut tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce 19e dimanche du temps ordinaire, lu par Dobevi Grâce Divine, de la paroisse Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse de Corée, et commenté par le diacre Jules Aloumon-Logosu, de la Société des Missions Africaines SMA. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 19, versets 9, 11 à 13. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan.
Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 9, versets 1 à 5. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était abattue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre dit alors, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui répondit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui. Et il lui dit, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et les thèses que nous propose l'Église ce matin nous font redire la réponse du psaume qui dit « Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut. » Dans la première lecture, Dieu va à la rencontre de son prophète Élie et Dieu se fit manifester à lui dans un vent léger qui était venu au prophète. Un vent léger qui passa devant lui et il reconnaîtra en ce moment précis que le Seigneur venait à lui. Dans l'évangile aussi, Jésus alla à la rencontre de ses apôtres en marchant sur les eaux. De ces lectures d'aujourd'hui, nous pouvons en déduire que Dieu, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, est maître de tout, maître des eaux, maître de la terre et maître du monde.
aucune force n'est comparable à ce pouvoir. Il détient le pouvoir sur toute force de ce monde, sur toute force des eaux, sur toute force existante sur la terre. Mais ils nous viennent plus souvent de douter de la présence de notre Seigneur dans notre vie, comme le fit Pierre dans l'évangile d'aujourd'hui. Pierre douta en allant vers Jésus. Il douta de la force de Jésus. Il douta du pouvoir. Il douta de ce dont Jésus était capable. Alors, il s'enfonça dans la mer. Mais Jésus le prit par la main et lui dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Pourquoi doutons-nous dans notre vie? Pourquoi s'installe le doute dans notre cœur? Les lectures d'aujourd'hui nous disent que dans les moments difficiles et dans les moments de joie, le Seigneur est avec nous. Dans les choses les plus minimes de notre vie, Dieu est avec nous. Dans les tempêtes de notre vie, Dieu est avec nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir confiance en lui, d'être en mesure de le reconnaître dans notre vie, d'être en mesure de reconnaître sa présence à nos côtés. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi doutons-nous de sa présence dans notre vie? Pourquoi comportons-nous comme Pierre? Pourquoi avons-nous peur? Et Dieu nous dit aujourd'hui, n'aie pas peur mon enfant, je suis à tes côtés. N'aie pas peur, je te tiens par la main. N'aie pas peur, je suis là avec toi. Dans les moments difficiles que dans les moments de joie, je suis avec toi. Dieu se révèle à nous comme notre Seigneur et notre Maître. Sommes-nous en mesure de reconnaître cela? Le psaume dit, fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut. C'est en reconnaissant le Seigneur que son salut vient à nous. Que les problèmes de ce monde et que les distractions de ce monde ne nous envahissent pas pour que nous perdons de vue ce qui est le plus important. Que les distractions de ce monde ne nous perdent pas et ne nous enfoncent pas dans les doutes. Comme Jésus dit à Pierre aujourd'hui, il nous le dit à chacun. Pourquoi doutes-tu? Aie confiance, je suis avec toi. Que le Seigneur nous donne la grâce de cette foi fervente, de cette foi inébranlable en lui, et nous donne aussi la grâce de le reconnaître dans toute situation et dans les moments les plus minimes de notre vie. Qu'il nous donne cette grâce de toujours croire en lui, et de toujours reconnaître qu'il est à nos côtés et qu'il nous tient par la main. Que la grâce du Seigneur descende sur nous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs
toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24, en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.